Bonjour mes amis, moi c'est John et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode Minecraft. Allez, c'est parti. Alors le défi du jour c'est de trouver une de ces fameuses maisons hantées. Pour ça il va falloir trouver la carte, c'est la carte. Enfin il va falloir trouver surtout un cartographe. Et là on va mettre en place ce que vous m'avez dit dans les commentaires la dernière fois. Donc c'est à dire prendre l'œuf de dragon, le mettre sur un bloc de diams et on va voir à quoi ça ressemble. Et n'oubliez pas aussi que chaque jour il y a un épisode Minecraft qui sort à 18h, c'est un épisode de 7 de survie qui sort tous les jours à 18h, messieurs, dames, avec un épisode aussi à 16h de Minecraft, soit de Murder, soit de Bedwars, soit de je ne sais pas quoi. Vous pouvez me proposer dans les commentaires une nouvelle idée de série, ça fait plaisir. Et n'oubliez pas de déglinguer cette barre de likes, les gars. La dernière vidéo a fait 280 likes. Si on pouvait atteindre 280 likes sur cette vidéo, ce serait énorme. Et là, on vient de faire tout simplement le bloc en diams. Alors, on va checker à quoi ressemble votre petite idée, parce que je pense que dans cette maison, ça va pas le faire. Mais avec une maison moderne faite en quartz du Nether, ça va déchirer de ouf. Mais là, je suis pas sûr que ce soit beau, hein, clairement. Silence, silence, silence les enfants en bas, hein. Ça suffit, sinon vous allez prendre une claque, vous allez aller au lit, hein, sans prendre un bain et avec un support en plus. Voilà, hop, alors à quoi ça ressemble? Aïe, 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 c'est bien dégueulasse, ça. C'est dégueulasse, ça. Et oui, Jamy. Non, 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 ça va pas du tout, ma chérie, là, ça va pas du tout. C'est moche, c'est pas harmonieux avec la maison. Il est l'heure de dompter ce cheval, de le faire obéir et de partir vers des contrées lointaines. D'abord, je le choisis, hein, avec soin, parce qu'il y en a qui sont mieux que d'autres. Hein. C'est comme ça, c'est la vie. Oui, celui-là est magnifiquement bien. Il va être génial. Hop! Et on lui met sa petite selle. Non, 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 non. Toi, le zombie, tu te calmes. D'accord? C'est mon cheval, c'est pas le tien. T'avais qu'à faire de l'élevage, ok? T'avais qu'à pas être un zombie, d'accord? Stupide et sans cerveau, ok? Ok, on est d'accord? Mais c'est parfait, donc tu te tais. C'est moi le patron ici. Allez, alors, est-ce que je me suis pas trompé de direction pour trouver le village? Je crois. Bah, on va aller à la maison pour récupérer 2-3 trucs. Il me manque 2-3 trucs, ça c'est une certitude. J'oublie tout le temps quelque chose. On va checker un peu en coffre, on ferme la porte. Et oui, du charbon. Du charbon, il me fallait du charbon et... Heureusement que j'y ai pensé à celle-là. Ah, parce que sinon c'était tendu, hein, mon ami. Hop, ah, on fait ceci et ça fait des petites torchinettes qu'on se place dans la main. On va voir magnifiquement bien dans la nuit maintenant. Nous sommes des nyctalopes. Crac, qui c'est qui s'est perdu encore dans les bois? C'est moi, j'en peux plus, j'en ai marre de moi. Franchement, des fois c'est chiant. C'est chiant d'être moi, tu vois. Mais non! Mais non, s'il te plaît! Oh non! Oh, c'est chaud, c'est chaud. Non, 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 non. Ah, il va mourir. Et moi aussi, et moi aussi. Ah, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. Je suis stressé. Non, il est mort, il est mort. Oh, la petite pomme dorée. Non. Adieu, Gripoil. Rip, Gripoil. Encore un cheval. Mais je suis vraiment un maltraiteur, un meurtrier de cheval. Oh là là, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Cours, John! Cours pour ta vie! Oh, oh putain, c'est tendu. Oh là là, c'est tendu. Oh, c'est tendu, c'est tendu. Non, toi tu meurs, toi tu meurs. Il y en a marre maintenant. Ça suffit, tes conneries. Voilà, mon ami, ça suffit. Oh, oh non, je suis parti avec le mauvais stuff. Oh non, parce que j'ai épine 3 sur le dos et j'ai pas protection 3 et raccommodage. Oh, ça pue ça. Oh non! Oh là 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 là, c'est chaud! C'est chaud de ouf! Oh, oh là là! Oh, c'est tendu! Non, toi tu meurs, toi tu meurs! Allez, pitch, pitch, pitch dans ta frat! Oh là là! Papa! Oh, je le sens mal cet épisode, je le sens mal, je le sens mal, je vais pas rentrer à la maison. On va changer de shader parce que celui-là c'est. Oh, creepy, creepy! Oh là 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 là! Bonjour Creepy! Ça faisait longtemps qu'un épisode n'avait pas été tendu comme ça! Waouh! Waouh, waouh, waouh! Ah, les expéditions comme ça? Waouh, c'est tendu la forêt. Allez hop, on change de shader et puis on est reparti. C'est toujours autant la galère, donc je me suis dit pourquoi ne pas tuer des petits porquis des porcasses? Pour qu'ils me donnent leur bon bacon! Toi, c'est terminé de prendre le bain! Oui, bah bien sûr. Ah, regardez, un petit poulpe! Coucou Shadimus! Adieu Shadimus! Allez, tu crèves! Silence, tu te tais! Voilà! Alors, entends-moi ta grande gueule, Shadimus là! Quoi?
Quoi? Abonnez-vous à la chaîne de Chadimus. Non, Chadimus, personne veut s'abonner à ta chaîne. Je te l'ai déjà dit. Voilà, les petits porquis. Bon, et en espérant qu'un jour, on trouve ce foutu village. Ce serait vraiment cool pour pouvoir échanger mes milliers de papiers aux cartographes. Ce serait vraiment cool. Nous apprécierions tous ça. Loué soit le saint village pendant que je pêche. J'ai rien eu. Ouais, j'ai fait une canne à pêche histoire de faire passer le temps un peu. J'admirais le ciel, le village, etc. Je suis content de l'avoir retrouvé. Piti piti, le cartographe. Non, toi, t'es un fléchier. Tu vends des flèches. Elles sont nulles, tes flèches. Elles sont nulles. Je te le dis. Je te le dis. Hein, bibliothécaire, mais on s'en fout du bibliothécaire. Vous vous taisez. Silence. Frappe 1. C'est nul. Ça c'est un boucher, oui, non, on s'en fout. On s'en balèque, frère, un fermier, oui aussi, on s'en balèque. Ici, il n'y a personne. Tu es où, piti, piti, piti? Il est toujours pas là. Oh, c'est peut-être lui, hein, celui qui fait trempette. Tu fais trempette, le petit cartographe? Ça fait trempette? Je n'ai pas intérêt à ce que ce soit toi, mais c'est lui. Mais c'est lui, putain, je peux pas échanger avec lui, je peux pas, il faut que je coule, hop, on se met ça ici, et puis on va échanger avec lui en hauteur, vu que c'est un gamin. Hein, t'es un gamin, gamine va. Allez, grimpe là-dessus, toi, insupportable, ils sont tous insupportables dans ce jeu aujourd'hui. Hop, voilà, on va échanger avec le cartographe, voilà, il faut le faire EP maintenant, hop. Non, bien sûr, ça fonctionne pas. Oh, j'ai oublié mes boussoles. Guys. J'avais zappé. Il va me falloir des boussoles juste après. Il va falloir que je rentre à la maison. Oh là 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 là. Mais non! En plus, il y a un stack de papier qui dégage. Mais tu m'énerves, le cartographe. Oh là là, il me saoule. Bah, cartographe, là. Espèce de panneau, va. Voilà, je suis tendu, maintenant. Va falloir que j'aille chercher mes... Oh... Allez, John, allez, tu vas y arriver. Allez, on y croit. Allez, la dernière étape. Voilà, on prend la carte pour pouvoir accéder à ce foutu manoir, la boussole. Et voilà, enfin, on récupère les émeraudes, les boussoles, et je me casse. Salut. Non, bien évidemment, elles sont très, très loin. Oui, bah ça, il fallait s'en douter. Toi, tu toques pas aux portes, espèce de voyeur. Non, tu restes pas derrière les portes. Malade, bah. Et moi, je pars vers d'autres cieux. Et bah, comme vous pouvez le voir, on est à des milliards de kilomètres de la maison. On est à plus de 4000 blocs de la baraque, et ça fait très très long. Hop, on se défoule tout seul. Qui est-ce qui va ramener des petites fèves de cacao à la maison pour pouvoir replanter un cacaoutier chez lui? Eh bah, c'est Johnny, bien sûr. Ça fait une petite note d'exotisme pour la maison. Moi, je trouve que ça va faire pas mal. On va le planter dans la Batcave directement. Je sais pas comment je vais le faire pousser, mais je vais le faire pousser quand même. D'accord? C'est moi qui décide. Et là, si on pouvait trouver le temple, ce serait quand même fucking épique. J'apprécierais réellement de le trouver. En plus de trouver la maison hantée aujourd'hui, ce serait vraiment fantastique. Mais bon, c'est pas prêt d'arriver. Ça fait présentement... 2h30, ça fait 2h30 que je tourne là. Donc c'est long. Oh, le petit temple des familles, ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir, même si y a rien du tout dedans. Ça fait un objectif de réaliser, bien évidemment. Alors, le coffre. Où sont les coffres? Je ne me rappelle jamais d'où sont les coffres dans ce truc là. Non, ils sont pas là. Je sais pas où est-ce qu'ils sont. Non, attends, c'est quoi ce temple en carton, là? Hop, vas-y, ouvre tes portes, mon ami. Vers où? C'est où, déjà, que ça ouvre une trappe? Je sais absolument plus où ça l'ouvre. Je ne sais plus. Enfin, en tout cas, ce temple est complètement foutu. Hein. Il est foutu. On voit que le temps a bien fait son action. Putain, mais regardez, les pièges ne fonctionnent même plus. Le temple est tellement déglingué que ça ne fonctionne plus. C'est un truc de ouf quand même. C'est vraiment un truc de ouf. Ah si, celui-là fonctionne quand même. Ok, non, c'est cool. Allez, tu te tais. Je suis venu jusqu'ici pour 2 lingots et 17 os. Waouh, oh, j'ai enfin trouvé la sortie de cette satanée jungle. Adieu Tarzan. Adieu, je me tire. Ça suffit, allez. On y va. Petit zombie, je suis même content de te voir. Il me reste plus que des carottes à bouffer, guys.
J'ai plus que des carottes à bouffer. T'imagines le délire? Oh, on devrait plus être loin non plus de la maison hantée. Il était temps, franchement. 4000 blocs, guys. 4000 fucking blocs. Enfin, 5000 même. 5000, 6000. Parce que 4000, c'était tout à l'heure. Allez, hop. Oh, je suis content de voir des vaches. Je suis content de revoir un peu de forêt normale, tu vois. Tout à l'heure, je pétais un câble dans la forêt. Là, je suis tout content de la retrouver, cette forêt. Coucou, le petit squelette. Coucou, j'en voyais même plus dans la forêt. J'en voyais même plus de squelette tellement la forêt était dense et tellement je me baladais que dans les arbres. Que dans les arbres, les gars. Oh, nice. Bon, ça, c'est cool. Ça, c'est déjà la bonne nouvelle du jour. Ah, oh, franchement, je retrouve ma joie de vivre, là. C'est fini, les galères. Coucou, Creepy, coucou. Allez. Voilà, tu te tais. J'étais content de revoir sa petite explosion. Tu vois, je voulais le voir exploser. Mais finalement, je me suis dit, non, je suis pas foufou à ce point-là. J'ai pas envie de me faire déglinguer par Monsieur le Creeper, hein. Alors, pap, eh ben, il va falloir aller encore à... attends, presque, voilà, par là, dans ce sens-là, et oh, la voilà la fameuse maison hantée, messieurs, dames. Oh, j'espère que vous... Oh, merci, jeune zombie. Oh, il m'a sauvé la vie, littéralement. Ta mort n'aura pas été vaine. Merci. Oh, c'est cool, ça. Oh, c'est cool. Oh, j'espère que vous allez déglinguer la barre de like, parce que franchement, c'est un des épisodes qui m'a pris le plus de temps à tourner. J'espère que vous allez le kiffer. Vraiment, franchement. Ah, oh, là, 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 il est content, Johnny, il est content. C'est parti pour une exploration dans la maison hantée. Je viens ici pour les totems, parce que la prochaine fois, la prochaine vidéo, il me semble-t-il qu'on va partir dans le temple des océans. Enfin, du moins, je vais essayer d'y aller, ça va être tendu. Écoutez, j'ai pas envie de faire comme tout le monde, moi. Je cherche pas l'entrée, d'accord? Je me crée une entrée. Parce que moi, je suis un thug, d'accord? Est-ce qu'on a le temps? Non, bien sûr que non. On n'a pas le temps, nous. On n'a pas le temps. On est des gens comme ça, tu vois. Voilà, on creuse un trou, ici. Hop, on ouvre, et on est à l'intérieur. Silence, les vindicateurs, etc. Silence, vous nous énervez. Ah, c'est plutôt beau. C'est plutôt très très beau par ici. Ils sont chiants avec les... Ah, je vais vous montrer, moi, qui c'est le patron. C'est Johnny Del Patron, le patron, d'accord? Allez, viens. Il va falloir que je les tue tous à l'épée, par contre. Comme ça, j'aurai plus d'émeraudes. Parce que ces mobs-là drop de l'émeraude. Et avec butin 2 sur l'épée ou butin 3, je sais plus. Oh, je risque d'en dropper vraiment des masses et des masses. Oh, allez, hop, on se crée à nouveau une entrée, vu qu'on est des tailles. Toi, tu meurs, jeune tête de pénis. Voilà. Ouh, tendu, deux points de vie. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Rien du tout, derrière, rien du tout. C'est génial, ça, c'est génial. Allez, monte à l'étage, mon ami. Oh, remonte, jeune ami. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Bah, d'abord, on se remet full vitalité, voilà, comme ceci. Et là, malédiction de disparition. Qu'est-ce que c'est, ça? Vous pouvez me le dire dans les commentaires, à quoi sert malédiction de disparition? Je vais le garder, je sais pas à quoi ça sert, ça m'a pas l'air d'être vraiment nice comme truc, ça m'a plus l'air d'être un malus qu'autre chose, mais vous savez quoi? C'est pas grave. Oh, Creepy, mais arrête! Est-ce que t'as ouvert un passage secret? Non, absolument pas, je suis vraiment très très déçu. Allez, Creepy! Creepy, tu te tais! Creepy numéro 2, silence! Creepy numéro 3, tu meurs aussi! Toi, tu meurs, voilà, genre... Oh, hop, 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 hop! Ouh! Ouh! Oh non, 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 non! Holy shit! Shit! Non! Non! Oh non! À 5000 blocs de la maison! Oh la galère! Bon bah écoutez les amis, c'est la fin de la vidéo. Là vraiment, je ne sais pas du tout quoi faire. Je suis en galère. C'est à vous de décider dans les commentaires. Est-ce que j'y retourne? Sachant que mon stuff n'y sera sans doute plus quand je vais arriver. Enfin voilà quoi. Je suis assez dégoûté là, franchement. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un putain de pouce vert pour pouvoir m'envoyer dans les airs. C'était John, je vous kiffe. Peace.